Ok, là on va essayer de faire une simulation pour aller sur Shiba, comment on appelle, Spooky Shiba, pour voir comment est-ce que. Donc, quand tu prends le lien là qui est dans la description de différentes vidéos que j'ai mis, vous venez vous cliquer ici pour chercher à vous connecter. Assurez-vous que Ethereum ne soit pas connecté en haut. Vous changez pour prendre toujours Smart Chain. C'est bon? Une fois que vous avez pris le Smart Chain, voilà, on est là, on est connecté dans le jeu actuellement. Mais mon wallet n'est pas connecté. Il faut avoir au moins 200 dollars ou plus 300 dollars parce que c'est vrai que c'est 100 dollars qui est écrit. On peut avoir l'équivalent de Spooky Shiba de 100 dollars ou bien de 300 dollars. Mais quand on avait essayé avec 100 dollars, ça ne passait pas. Donc, ce bug-là, ils allaient corriger ça le temps de le faire. Ceux qui ont au moins 200, 280, 300 dollars peuvent interagir avec le jeu. Donc, on va essayer de se connecter. Voilà, on me dit, voilà, je suis connecté dans le jeu. Voilà, le jeu consiste ici. Voici les différents NFT. Il y a NFT légendaire, rare, NFT rare et puis NFT commun. Donc, voici les différents 9 trucs que vous voyez ici. Je dois m'arranger maintenant. Voilà, s'il y a la chance pour pouvoir gagner un NFT parmi. Donc, allons-y. Le premier, rien. Deuxième, rien. Troisième, rien. Quatrième, rien. Cinquième, rien. Sixième, rien. Septième, rien. Les deux derniers là, j'espère que ça va marcher. Hein? Zéro encore. Et le dernier, ce serait quoi? Voilà, j'ai gagné quelque chose. Voilà, ça c'est un NFT que je viens de gagner. Et ça c'est un NFT Legendary. Ça me fait deuxième NFT que j'ai gagné. Hier, j'ai gagné un NFT rare. Aujourd'hui, je viens de gagner un NFT voilà, légendaire. Voilà, donc voilà ce que je viens de faire. Donc, quand ils vont lancer la plateforme, là, on va recevoir ça directement. Donc, je fais la capture d'écran pour garder cela. Voilà, c'est tout. Voilà, donc voilà comment ça se passe. Ok, donc salut à tous. Voilà, je viens de vous présenter comme ça comment ça se passe le jeu. Parce que c'est un jeu qui se passe sur Trust Wallet. Mais aujourd'hui, depuis la mise en jour de Trust Wallet, Trust Wallet n'accepte plus qu'on fasse, comment on appelle, certaines captures d'écran à certains endroits dans Trust Wallet. Et même quand tu veux faire une vidéo avec une vidéo qui capture aussi l'écran aussi, vous allez faire la vidéo. Mais après la vidéo, tout va sortir noir. Et comme ils ont mis un truc de protection qui permet pas de pouvoir prendre certaines informations sur Trust Wallet maintenant. J'ai fait deux ou trois vidéos que j'ai essayé. C'était la même chose. Donc, c'est pourquoi j'ai passé par la méthode de pouvoir me filmer. Et puis, bon, voilà, vous montrer un peu comment le jeu fonctionne. Voilà, c'était l'objectif qui était là. Donc, ceux qui ont au moins autour de combien? On va dire ceux qui ont un peu moins de, un peu plus de 200 dollars. Voilà, 200 dollars, 280 dollars ou 300 dollars pourront interagir parce que moi j'avais plus que tout ça et donc c'est ce qui a permis à ce que je puisse en temps normal. Si tu as 300 dollars de Spooky Shiba, tu dois pouvoir jouer trois fois le jeu. Voilà, mais déjà j'ai joué une fois, déjà j'ai gagné à ce jeu-là. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Et sachez que la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis. Et restez toujours connectés. Voilà, pour ce qui concerne les formations, vous savez déjà, les liens sont dans la description pour la formation d'Abidjan, le leader Bill, le leader Elisabeth. Pour la formation de l'autre côté, au niveau du Burkina, c'est à la fin du chemin avec le leader Dieudonné. Pour la formation au niveau de la RDC, c'est avec le leader Faustin. Pour la formation au niveau de, comment on appelle, du Sénégal, c'est avec le leader Mama. Pour la formation en Côte d'Ivoire, ici, à San Pedro, c'est avec le leader David Joseph. La formation aussi à Daokro, c'est avec le leader Yaya là-bas. Et la formation à Bengo, c'est avec le leader Yapi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Sachez que la science accorde ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir. Et là, c'est une opportunité. Ceux qui ne savent même pas c'est quoi un NFT, si vous interagissez avec Spooky Shiba, voilà, vous allez connaître c'est quoi un NFT. Vous allez en avoir même de façon gratuite. Et après, maintenant, lorsque
le marketplace NFT sera lancé, vous avez la possibilité d'aller les vendre là-bas et faire de l'argent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci.